Pour être sûr que le ballon éclate au lieu de s'écraser, il faut commencer par prendre le bon ballon. Voici un ballon d'eau. Il est fait en latex de mauvaise qualité et il est extrêmement fin. Ce dernier point est très important. Voici un ballon de décoration. C'est la même chose, mais en latex deux fois plus épais et donc beaucoup plus résistant. Si vous prenez ce ballon en latex très fin, vous avez une bombe à eau potentielle. Il faudra juste vous assurer d'avoir un impact maximum pour le faire éclater. L'explication en image. Plus quelque chose est lancé fort, plus cette chose va gagner en vitesse. Et plus le changement de vitesse sera brusque quand elle va percuter sa cible. En gros, plus on lance fort la bombe, plus on a de chances de la voir exploser. Et plus la cible est solide, mieux c'est, parce que l'impact sera plus fort. N'utilisez pas de ballon de décoration. Choisissez une cible solide et lancez fort. Compris? Bien. Un seul critère manque et c'est la cata. Le ballon étant trop épais, le gag tourne à la séance de torture. Bon, allez, on recommence. Un lancer mou, ça ne marche pas mieux. Mathieu ne sait pas du tout ce qui l'attend. Ces joyeux farceurs ont l'air de savoir ce qu'ils font. Ils visent la surface dure de son dos. Vas-y. La hauteur garantit une bonne accélération. Ah! Au lieu d'éclater, le ballon a transféré sa quantité de mouvement au petit garçon, qui a reçu l'équivalent d'une balle lestée de 4,5 kg lancée à 30 km/h. Voilà un jeune homme qui veut faire une blague au père de son ami. Il a eu la bonne idée d'utiliser un préservatif comme bombe à eau, en oubliant qu'ils ne sont justement pas conçus pour éclater. Ironie de l'histoire, ce monsieur risque bien de ne plus jamais faire d'enfant. Ayant appris de ses erreurs, le farceur change de contenant. Ah, bah c'est beaucoup mieux! Ces scientifiques en herbe sont bien équipés, et cette catapulte va leur assurer une belle impulsion. Espérons toutefois qu'ils ont bien pris un ballon à eau. Il faut croire que non. Ça fait mal? Oui,